Le Val de Travers, dans le canton de Neuchâtel. Ici, berceau de l'absinthe, se déroule depuis 50 ans une partie de cache-cache entre les distillateurs clandestins et les inspecteurs chargés de la répression. Témoins attentifs de ce qu'on pourrait appeler la petite guerre des alambics, la presse et l'opinion publique ne tarissent pas de commentaires dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils ne sont pas toujours dépourvus de passion. Nous n'allons pas entrer dans ce débat, mais seulement vous en présenter quelques aspects, ceux-mêmes qui se sont offerts à nous lors de cette enquête. Donc, l'absinthe est une boisson prohibée depuis 1910. Monsieur André Petitpierre, vous êtes en quelque sorte l'historien de l'absinthe dont le Val de Travers, où nous nous trouvons, est le berceau. Est-ce que vous savez à quand remonte sa fabrication ? On en parle depuis l'année 1750 environ. Un des propagateurs de l'absinthe a été le docteur ordinaire, réfugié français, qui est venu s'établir à Couvet et qui distribuait cette tisane à ses malades. Donc au début, l'absinthe, si je comprends bien, était un remède. Un remède connu dans les familles. Pourquoi le Val de Travers plutôt qu'une autre région de notre pays ou de l'Europe ? Le sol du Val de Travers convient extrêmement bien à la culture de la grande et de la petite absinthe. Parlons un peu des prix peut-être qui se pratiquaient à l'époque. Combien payait-on le litre d'absinthe ? On payait le litre d'absinthe d'un franc septante à deux francs. Par comparaison, le litre de vin ? Le litre de vin pouvait coûter un franc. Et par comparaison encore, le salaire d'un ouvrier de l'époque, d'un ouvrier industriel ? Il était de 3 francs 50 ou 4 francs par jour. Ceux qui gagnaient 5 francs étaient une exception. Oui, et je crois que le verre d'absinthe se vendait 10 centimes dans les cafés, n'est-ce pas ? 10 centimes, c'était très bon marché, même trop bon marché. En ce qui vous concerne, chère madame, est-ce que la recette de l'absinthe est une recette de famille ? En ce qui nous concerne, oui. Je me rappelle qu'étant toute petite, mon père fabriquait déjà. Ce n'est pas une recette secrète, j'imagine. En quoi consiste-t-elle ? Eh bien, il entre dans la fabrication de l'absinthe de l'anis, du fenouil et de la grande absinthe, qu'on appelle également vermouth. La grande absinthe pousse ici, n'est-ce pas ? On la cultive ici. Et l'anis ? L'anis nous vient d'Espagne et le fenouil de France. Est-ce que vous aviez un sentiment de culpabilité lorsque vous distilliez l'absinthe ? Non. Au Val de Travers, on ne pouvait pas avoir ce sentiment-là. Vous saviez pourtant que c'était interdit. Oui, mais pourquoi ? Monsieur Eckermann, vous êtes chimiste cantonal. Voulez-vous nous dire pourquoi la boisson absinthe est interdite ? Eh bien, la boisson absinthe est interdite du fait qu'elle contient deux plantes, la grande et la petite absinthe, qui, elles, contiennent comme principe actif la thuyone, élément qui provoque chez l'individu non seulement un état d'euphorie, mais carrément un état de méchanceté. La preuve en est, c'est le célèbre meurtre qui a eu lieu avant 1910 dans le village de Comuny dans le canton de Vaud où l'individu en question, à coup de hache, a abattu sa femme et ses deux enfants. Meurtre d'où découle, je crois, l'article de la Constitution. Certainement, c'est l'article, c'est-à-dire c'est la loi de 1910 qui interdit la fabrication, la détention en vue de la vente et le transport de l'absinthe. Absinthe et toutes les imitations d'absinthe qui pourraient être à base de la grande et la petite absinthe qui contiennent cette thuyone. Mais est-ce que les boissons anisées ne contiennent pas, elles, alors cet élément nocif ? Non, précisément pas. Je viens de faire allusion du fait que les boissons anisées ne doivent ni contenir de la grande ni de la petite absinthe. Et, pour citer un exemple, vous pouvez facilement vous enivrer avec n'importe quelle autre boisson alcoolique. L'effet, c'est l'effet d'euphorie, tandis qu'ici, nous avons carrément un effet de méchanceté, après avoir absorbé une plus ou moins grande quantité de cette absinthe.
Madame, j'aimerais que vous nous expliquiez comment fonctionne votre alambic. Dans cette grosse cuve ici, que l'on appelle, je crois, le cucurbite, qu'est-ce que vous mettez exactement? On met de l'eau, de l'alcool et des herbes. La quantité qu'on veut faire donc pour faire l'absinthe. Et puis après, on ferme. Et puis on met ça sur une plaque électrique. Puis on allume, donc on cuit. Et au moment où ça cuit... Et vous amenez à ébullition, je crois, n'est-ce pas? On amène à ébullition. Et c'est au moment où ça cuit que ça provoque donc la vapeur. La vapeur passe ici dedans. Ici, on met de l'eau froide qui coule continuellement. Et la vapeur passe dans le refroidisseur et sort ici par le petit robinet. Oui, la vapeur se condense donc pour se terminer, si je puis dire, en absinthe. Exactement. Oui, et à ce moment-là, l'absinthe est incolore, n'est-ce pas? Oui, elle est tout à fait blanche, exactement comme de l'eau. Est-ce que je puis vous demander combien coûte un appareil de ce genre? Eh bien, celui-ci, il vaut 1 200 francs. J'aimerais que vous nous parliez un peu de votre cachette maintenant. Alors, on a creusé ça, on a travaillé toujours de nuit pour pas qu'on nous repère. Et puis, on a travaillé pendant 15 jours, en somme, toutes les nuits. Et comme on ne voulait pas que ça sache, alors on a dû faire ça nous-mêmes, vous voyez. On a sorti toute la terre et après on a dû coffrer donc pour faire un mur. Alors on sortait l'alambic au moment de la fabrication. Est-ce que la distillation de l'absinthe est une affaire, est un travail de rapport? Oui, si on ne se fait pas prendre trop souvent. Ça serait assez intéressant, seulement, vous voyez, nous, on s'est fait prendre déjà il y a 16 mois, et puis de nouveau maintenant, alors vraiment, à ce moment-là, il n'y a plus d'intérêt à travailler, n'est-ce pas? Parce qu'on ne veut pas travailler pour donner notre argent aux gens qui nous poursuivent, en somme. Hein. Vous êtes fait prendre par qui? Eh bien, c'est la Régie des alcools qui nous a pris, qui est venue nous prendre, donc. Avec la facture de l'alambic et les factures d'alcool, vous voyez, alors à ce moment-là, il n'y avait pas moyen de dire qu'on ne faisait rien, n'est-ce pas? C'était pas possible. Monsieur Huguenin, vous êtes avocat à la Régie des alcools. J'aimerais que vous nous disiez pourquoi vous êtes intervenu en cette matière. Il faut d'abord remarquer que ce n'est pas la tâche de la Régie des alcools que de poursuivre les fabricants d'absinthe. C'est une tâche qui incombe au canton sous la surveillance du Service fédéral de l'hygiène publique. Mais dans le cas du Val de Travers, les choses se sont présentées un peu différemment. C'est la découverte d'un certain nombre d'appareils à distiller clandestins qui a motivé l'intervention de la Régie. Oui. Dans l'opinion publique et dans la presse également, on a tendance à reprocher à la Régie de livrer de l'alcool en connaissant son utilisation réelle. La question, évidemment, n'est pas si simple. Il faut savoir d'abord que, du fait du monopole de l'alcool, seule la Confédération a le droit de fabriquer et de vendre des alcools à haut degré. Dès lors, la Confédération doit mettre à disposition, des intéressés tous ces alcools par l'intermédiaire de la Régie des alcools chargée d'appliquer la loi sur l'alcool et en particulier l'alcool de bouche. Vous avez des moyens malgré tout pour agir contre les abus? Dans une certaine mesure, oui. Mais il faut d'abord dire que l'alcool de bouche étant de tous les alcools le plus fortement imposé, la loi sur l'alcool ne prévoit pas un contrôle et une surveillance de son utilisation. Il existe une disposition, simplement, qui dit que la Régie des alcools peut refuser de livrer les alcools qu'elle vend, donc l'alcool de bouche, lorsqu'il y a une instruction judiciaire ou un emploi manifestement abusif. Est-ce que vous intervenez souvent? La Régie a eu l'occasion d'intervenir fréquemment ces dernières années, dans les cantons du Valais, dans les cantons de Vaud et dans le Jura bernois, auprès d'acheteurs directs qui utilisaient cet alcool pour la fabrication d'absinthe. Mais il faut remarquer qu'il s'agissait de commerçants et de distillateurs professionnels exclusivement. Mais est-ce que vous pouvez également intervenir auprès des revendeurs, c'est-à-dire des droguistes et des pharmaciens? Alors là, vous abordez la question qui se pose pour le Val du Travers, en particulier, car contrairement à ce qui se passait dans les cantons que je vous ai cités, ce ne sont pas des maisons de commerce ou des distillateurs professionnels qui fabriquaient de l'absinthe, mais des particuliers qui s'approvisionnaient auprès de revendeurs qui n'utilisaient pas eux-mêmes cet alcool. Mais est-ce que vous ne pourriez pas vous douter où allait finalement l'alcool de la Régie? Il est évident que, comme tout le monde, la Régie pouvait se douter de l'utilisation finale de l'alcool. Seulement, le soupçon
Dans une affaire de ce genre, lorsqu'il s'agit d'appliquer une mesure administrative, ou même une contravention, ne suffit pas. La preuve est indispensable. Et vous avez cherché cette preuve? Et nous avons cherché cette preuve en partie, mais un autre élément a joué son rôle, c'est, comme je vous le disais au début, la découverte d'alambic clandestin, ni recensé, ni concessionné. Et il est, dans la compétence de la régie, c'est une de ses tâches que de s'occuper des appareils à distiller. À l'occasion de ces enquêtes, la régie a également réuni les conditions pour supprimer l'alcool hors vendeur et désormais, ceux-ci ne recevront plus d'alcool de la régie. Dites-moi, monsieur, lors de la perquisition pour essayer de découvrir votre alambic clandestin, il y avait combien de personnes chez vous ? Une dizaine. Une dizaine ? Une dizaine, oui. Qui ont cherché dans la maison seulement ? Oh, partout. Où ? Dans la piscine, au jardin, de partout, tout autour de la maison. Dans les tiroirs, ils croyaient tout le temps que j'avais une entrée dans les tiroirs. Ils ont cherché partout. C'était seulement des gens de la régie des alcools ? Non, il y avait la régie des alcools, des gendarmes et de la secrète de Neuchâtel. Et alors, cette fameuse cachette, ils l'ont trouvée à quelle heure ? Ben, ils ont commencé de chercher à 7h15 le matin, puis ils ont trouvé le soir à 5h30. Vous pouvez nous la montrer ? Vous la montrez, mais très volontiers. La voilà. Alors, c'est dans cette sorte de trou que vous fabriquez l'absinthe? Oui. Et où achetiez-vous l'alcool? Oh, dans une pharmacie. Vous aviez une nombreuse clientèle? Oh, oui. Et que dit-elle maintenant, là? Ah ben, ce coup-là, ils sont un petit peu écœurés. Il y a un paysan qui est encore venu vers moi il y a 2-3 jours, me demander 5 litres d'absinthe. Moi, j'ai dit malheureusement, je n'en ai plus. Il m'a dit, ah ben c'est bien dommage, le dernier demi-litre qui me restait, j'ai donné une vache qui était malade. La vache était guérie, mais il n'a plus d'absinthe. On continue à vous en demander très souvent d'absinthe? Oh, avec la réclame que la régie nous a faite, c'est terrible, on n'en aurait jamais autant vendu. Vous n'aviez pas de stock? Ah, rien du tout, non. En guise de conclusion, petit sondage d'opinion auprès des habitués du breuvage interdit. Bien, dans le vallon, les avis sont assez partagés, mais dans le pays proprement dit, donc au Bayard, chacun a l'espoir que l'absinthe se redistillera. En plus de ça, moi qui travaille sur les toits, donc dans mon métier, dans un pays de loups, on arrive, nous sommes mouillés, on a eu froid, nous prenons un bon grog à l'absinthe, le lendemain, nous voilà tout rétabli. Sans lavelure, on n'existe pas, Val de Travers. Parce que pour nous, c'est l'apéritif vraiment qu'on aimait, vous voyez. En se trouvant camarade, c'était la seule chose qu'on pouvait prendre, vous voyez. Mais à mon point de vue, je crois que... Il l'aurait laissé. Et puis la mettre à un prix assez élevé, que les gens n'en auraient plus. Pas puisqu'ils boivent aujourd'hui d'autres produits. Donc liqueurs. Pour nous, il s'agit d'une sorte de fierté de locale, étant donné que le Val de Travers est une terre aride. Nous n'avons malheureusement pas de vignes, nous n'en faisons pas un complexe, mais nous étions très heureux d'avoir une boisson délicieuse à fournir et que nos bouilleurs de cru réussissent à tirer parti de cette plante. Qu'est-ce que vous allez boire maintenant ? Probablement de la tisane, peut-être même, je ne sais pas, de l'eau de fontaine. Le ciel cette année a ouvert passablement ses écluses et c'est dommage qu'on ne puisse plus la troubler.